Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Ma frère de soeur, c'est chaud ce matin! Si vous êtes chaud comme moi, c'est un peu, nous sommes sur Nyang's Reborn. Et si nous, chez nous, nous sommes toujours chauds. Let's go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Soyez prêts, c'est de l'ambiance, c'est la chaud. C'est... Les vrais chrétiens sont toujours chauds. Yeah! Mais mes frères et soeurs, ce dont nous allons vous parler ici, dans ce History Time 3, va franchement vous surprendre. Moi-même, ça m'a surpris. J'étais le premier à être surpris et même étonné d'entendre ces choses-là. Yeah! Je cherchais des informations à compléter la vidéo très puissante ou encore le témoignage très puissant qui va venir sur Nyang's Reborn ou encore l'ensemble des chaînes Nyang's Reborn. Lorsque je suis tout simplement tombé sur un documentaire qui raconte 30 histoires. Et parmi ces 30 histoires, se trouve une histoire qui m'a vraiment étonné. L'histoire des célébrités, des artistes très célèbres qui meurent à l'âge de 27 ans. Au point où ils ont surnommé cette série de morts-là, le club. Le club des 27 ans. Voilà, c'est juste pour être plus précis. Quoi? Mais j'hallucine ou quoi? La foi est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire-là? C'est possible. Nous préparons même une autre vidéo sur Nyang's Reborn 2, notre deuxième chaîne YouTube, pour vous révéler. Pour faire une vidéo réaction en direct avec vous, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On verra ce que je sais faire. Le club des 27. Mais de quoi s'agit-il? Et les personnes concernées. Regardez, nous allons essayer de comprendre cela ensemble. Les personnes concernées ont un profil bien défini. Ce sont des artistes célèbres, des célébrités. Et ce sont des gens qui sont en plein show, qui sont carrément dans, comment vous l'expliquer, ils ont du succès, en plein succès. Et ces gens-là sont proches tous de 27 ans. Et quand ils sont proches de cet âge-là, bizarrement, la peur se crée chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la peur se crée chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parmi ces gens, ces artistes-là qui sont décédés, il y a une parmi eux dont l'histoire m'a un peu choqué. C'est que quand elle est décédée, sa maman est venue vers elle et lui a dit que je l'avais prévenu. Mais qu'est-ce qui est caché au juste derrière cette histoire? Quel est ce mystère-là? Au point où des artistes célèbres sont décédés à l'âge de 27 ans, tous décédés à l'âge de 27 ans,
Et de façon rock and roll, puisque il y a certains parmi eux qui faisaient du rock and roll. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière cette musique pour que des gens meurent comme ça, surtout des artistes? C'est incroyable. Bien, nous allons essayer d'analyser encore d'autres éléments. Nous savons tous qu'aujourd'hui, là, pour obtenir la gloire au niveau planétaire quand on est artiste, il faut forcément passer par le truc. Vous avez dit, de quoi tu parles? Vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé. Les artistes célèbres eux-mêmes ont dit, se sont confessés pour dire que pour devenir célèbre, il faut forcément signer le pacte. Mais pas n'importe quel pacte. Le pacte avec le diable. Est-ce que le problème ici n'est-il pas lié avec le pacte avec le diable? C'est possible. Cette question du pacte avec le diable revient encore ici pour nous révéler des choses vraiment très graves. Le pacte avec qui? Le diable. Ok. Si ces artistes-là ont signé un pacte avec le diable, c'est que ce pacte avec le diable-là avait pour but de leur donner du succès et de prendre leur vie après ou avant 27 ans. Pour moi, je pense que c'est ce qui peut expliquer ce problème. Peut-être que vous pouvez nous donner une explication à cette histoire. Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Quand on signe un pacte avec le diable, franchement, on ne doit pas s'attendre à quelque chose de bon. On ne doit pas s'attendre à quelque chose de glorieux. Il y a souvent de mauvaises surprises. Et ceux qui ont signé le pacte avec le diable savent réellement de quoi il s'agit et de quoi il est question, qu'est-ce qui fait même l'objet de leur pacte. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur. C'est quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il ne faut même pas accepter. C'est quelque chose qu'il faut rejeter ou encore détester parce que le diable, ce n'est pas un bon type, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une personne à fréquenter, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Dites-nous, est-ce que vous serez prêt à faire ce pacte et mourir tôt, mourir jeune, avant même vos 27 ans? En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que franchement, c'est dur sur la terre, hein? Mais moi je ne suis pas prêt à mourir. Il y a juste de la partie commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Et let's go pour la prochaine vidéo. Et nous allons nous rendre maintenant sur Nuance Reborn 3, notre troisième chaîne YouTube, pour parler d'un autre sujet. Il s'agit tout simplement de quelqu'un, un homme, un enfant. Ce n'est pas un artiste. Il n'a jamais eu pris des cours de peintre ou de cours artistiques. Mais ce qu'il produit comme dessin dépasse le commun du mortel. Alors, allons jeter un coup d'œil sur Nuance Reborn 3 pour savoir de quoi il s'agit et quelle est cette histoire et ou encore quelle est la source d'inspiration de cet enfant. Soyez prêts. Soyez prêts! Ça va être chaud. Let's go. Que Dieu vous bénisse. Let's go.